cooking, kissing. When I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some love tonight, just let me know. Voilà tout le monde, on est vendredi. Je sais pas quel jour. Vendredi 22 mai. J'étais mal du boulot, donc je vais les lire après, c'est pas grave. Hop. Je travaille aujourd'hui. Je suis levée, habillée, douchée, tout ça. Mon est encore en train de dormir. Et Chouchou lui est parti bosser, mais pas ce matin. Je suis désolée si vous entendez des scratch. C'est mes chaussons. C'est mes chaussons qui ont des espèces de scratch en dessous pour pas glisser en fait. Et puis bah, du coup ça fait du bruit. Bref, Dolan est encore couché, mais je vais le laisser dormir très clairement parce qu'il a pas grand chose à faire, il a que des dessins. Des dessins à faire, c'est pas non plus du travail. Il a juste une lecture à faire et répondre aux questions. Et après bah, le reste ça ira tout seul. Donc voilà, j'ai envie de déjeuner mais j'ai pas envie de déjeuner. Vous y croyez à ça? Hop, je vais déjeuner quand même un petit peu. Hop. Du coup aujourd'hui je fais 9h midi, 14-17 comme d'habitude. Il fait pas super beau par rapport à hier. Où hier on était quand même à la piscine, hein, faut que pour rappel. Ah, y a des gens qui arrivent avec leur masque, bref, tant mieux. Ouais, hier il faisait super beau, super chaud, encore hier soir il faisait super chaud, enfin toute la nuit il a fait hyper chaud. Jusqu'à 5h du matin on a eu, enfin à partir de 5h du matin on a eu des grosses rafales de vent, mais pas de là tout dévaler sur le balcon, donc c'était plutôt cool. Même si je me suis quand même levée pour vérifier, parce que j'avais pas tout rangé forcément. Et sinon il faisait 25 encore dans la maison, enfin, c'était juste... Hyper intense au niveau de la chaleur, mais là ben, ça redescend je pense aujourd'hui. Demain ils ont prévu de la pluie, donc je pense que pour le coup oui ça va descendre un petit peu. Attendez, j'espère pas trop réveiller Nolan. Dolan il a pas dû passer une bonne nuit, même si je l'ai pas entendu de la nuit, je pense qu'avec le coup de soleil qui s'est pris sur le dos et aux épaules, je pense qu'il a pas dû passer une très très bonne nuit, donc mais rien que pour ça, ça mérite que je le laisse dormir tranquillement. Les devoirs c'est pas grave, ça peut attendre, au pire on peut les faire demain si vraiment il est dans un sale état. Moi ce qui me fait surtout peur c'est qu'il chope de la fièvre quoi, parce que bon, l'insolation ça arrive vite quoi, même si on était, même s'il avait mis de la crème solaire et tout, j'avais pas de casquette, j'ai pas pensé du tout à la casquette parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Clairement je m'attendais même pas à ce qu'on aille se baigner, je pensais qu'il allait mettre ses pieds et tout, enfin qu'il allait juste tremper ses pieds, mais en fait ben non. Il a mis tout son corps et c'est plus d'une fois dans la journée, donc j'ai pas envie qu'il attrape mal. Donc voilà, je vais vérifier son état aujourd'hui, j'espère qu'il aura pas de fièvre surtout. Donc voilà, hop, allez, sur ce je vais commencer ma journée boulot. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Ouais, il faut que je fasse du montage encore aujourd'hui. Je suis pas trop en retard au niveau du montage, mais bon. Parce que j'en ai un qui est prévu pour demain. Ah si, j'ai un petit peu de retard par rapport au vlog. Je crois que j'ai un peu de retard. Bref, j'ai du boulot, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, et puis en fait, tout à l'heure j'aurais peut-être plus la même coiffure. Hein, parce que là pour l'instant j'avais les cheveux mouillés, je me suis dit je vais mettre ça dans les cheveux. Mais à mon avis ça va me gonfler parce qu'ils vont me gonfler justement. Donc ça se trouve tout à l'heure je vous reprendrai, mais j'aurai pas du tout la même coiffure. Comme d'habitude quoi. Bon les cops, j'ai toujours pas changé de coiffure. Mais ça commence à gonfler sévère, ça m'énerve. Bref, on n'y est pas pour l'instant, c'est pas grave. Hop, je remets mon casque. J'ai l'impression d'avoir les oreilles qui partent en... Tellement le casque il prend la forme de mes oreilles, enfin je sais pas comment vous expliquer. Normalement le casque il est censé être plat comme ça quoi. Et bien normalement il prend le casque, enfin il prend la forme de mes oreilles. Bref, on s'en fout. Il est 10h49, mine de rien ça passe assez vite, j'ai fait 45 appels déjà et j'ai l'impression que ça va plus vite. Ah attendez, ça sonne. Bon voilà, de la coupe féminine, on est passé à la coupe qui n'a plus rien à voir. Bon il est midi, je vais manger avec Nolan, je vais aller le voir, il est dans la chambre avec la musique, la télé à fond. Il a mal au dos, pépère. Tu vas baisser mon cœur, mon chéri? Baisse un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'es habillée, c'est bien. C'est bien, mon chéri. T'as mal au dos encore ou pas? Tu t'es brossé les dents et tout. Là là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est grand, ce petit garçon. Enfin, ce petit garçon. T'as trouvé l'astuce? Oui. Ça va, ton dos? Oui, mais pas trop trop. Pas trop trop. Et t'as pas mal à la tête, ça va? Oui. T'as faim? Hein? T'as pas faim?
Faut manger, chérie. Ouais, bien. Faut manger un petit peu, mon cœur. Je t'appelle quand c'est prêt, on mange un petit truc vite fait. Ok. Ok. Une pâte parfum, un croque-monsieur, un jambon beurre. Un sandwich? Un sandwich jambon avec seulement une petite tranche de beurre. Une tranche de beurre? Non, une tranche de truc. De fromage? Oui. Ah, donc tu le veux chaud alors? Tu veux un croque-monsieur? Oui. Ok, bon d'accord, je te fais ça, pas de soucis. Allez, je te fais ça, mon chéri. Tu viendras manger, hein? Bon, ça tombe bien qu'il veuille juste ça, comme ça c'est vite fait à faire. Puis ben, le midi, de toute façon, moi j'aime bien manger des trucs rapides. Moi j'ai toujours été habituée comme ça, moi. Depuis gosse, on a toujours mangé des trucs assez rapidement comme ça. Et on s'en est jamais plaint. Hein. Bon, après, on mangeait pas forcément très très équilibré, même si on n'était pas non plus des acharnés au niveau de la malbouffe. Mais bon, ouais, du truc rapide, ça passe tout seul. Et ça dépanne très souvent. Donc parfait s'il veut ça. Comme ça moi après je serai tranquille vite. Je vois le bon côté des choses. Et ah, il reste un petit peu de pâte. On va les laisser peut-être pour chouchou pour demain. Hop. Ou pour ce soir pardon, pour demain. Du jambon, du jambon, du jambon. Il y en a là. Il m'a dit qu'il voulait du fromage. Une tranche de fromage, une tranche de beurre. Il est là. Hop. Et voilà. Et voilà, on sera bon. Ce soir, je pense que je vais faire une quiche parce que ça fait 3 jours que je dis que je veux faire une quiche. Le problème, c'est que ben, on a plus beaucoup d'œufs et que Chouchou en mange beaucoup dans ses salades le midi. Du coup, j'ose pas faire ma quiche parce que je me dis que si j'ai plus d'œufs et qu'il veut des salades, et ben ça va coincer. Du coup, ben, je garde mes derniers œufs, je les économise. Mais au bout d'un moment, il y aura bien un moment où il faudra les utiliser de toute façon et au pire, il faudra faire des courses quoi. Donc là, on est le 22, je crois. Donc bientôt la paye, donc on va peut-être pouvoir aller refaire des courses. Après on manque de rien, hein, mais c'est juste que si on veut des œufs, faut refaire des courses. Et franchement, j'ai la flemme d'aller faire des courses juste pour des œufs. Donc ça va attendre les prochaines courses. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Allez, on prépare ceci. Donc moi, c'est des croque-monsieur à l'arrache. Du beurre, tranche de fromage. Donc nous là, il en veut une, mais moi je vais en prendre deux. Ah d'ailleurs, faut que je vous montre un truc. Hier j'ai fait des achats à Centre Accor quand je suis allée voir ma maman. Et j'ai fait pas mal d'achats, enfin pas mal. J'ai fait des achats. Hop, et j'ai acheté deux, trois petites choses pour la cuisine. Je vais vous montrer ça, attendez, je termine. J'ai acheté un plat à cuisse justement. J'ai acheté. Mettez, je vais vous les montrer en même temps. J'ai acheté une roulette à pizza. Hop. C'est trop bien ça pour couper les pizzas. Ma mère, elle en a un et je sais qu'elle l'utilise beaucoup. J'ai acheté. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un truc pour ouvrir les. Pour ouvrir les œufs. Enfin, les œufs à la coque. Parce que j'aimerais bien en faire aussi. Hop, voilà. C'est pour casser le haut de l'œuf en fait. J'ai acheté, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais ça c'est trop bien pour racler ces plats quand on fait de la pâtisserie surtout. C'est en gros une marise, mais une marise juste avec le bout, sans le manche. Et c'est très très bien, ça j'adore ça. Hop. Et j'ai acheté un moule pour faire des 4/4, un petit moule en silicone. Attendez, je vous montre, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai rangé, je l'ai lavé, je l'ai rangé. Je l'ai rangé pour pas que Chouchou m'engueule parce que j'avais fait des achats. Parce qu'il est toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que t'as acheté encore? Mais qu'est-ce que t'as acheté encore? C'est pas qu'il veut pas que j'achète, hein, c'est qu'il trouve que c'est inutile, mais bon, comme c'est pas lui qui cuisine. Donc j'ai pris ça, hop, c'est un tout petit, hein. Enfin c'est pas un très très grand, mais comme de toute façon quand je fais des 4 quarts, on en mange la moitié, puis après le reste, soit on a des difficultés à le finir, soit ça part au chien. Là pour le coup je me suis dit que... Un petit ça pourrait être pas mal, au pire je pourrais faire deux petits cakes, pas grave. Donc voilà, au pire j'en ai un grand grand, pas en silicone. Et j'ai acheté aussi ceci, pour faire des baguettes, pour faire du pain toute seule. Alors je vais pas le faire ça tout de suite, mais je pense que sur les week-ends, je sais pas moi, genre le vendredi soir, si on a envie de manger du pain, ben le samedi quoi, peut-être que je me tenterai à en faire. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Ah oui, et j'ai acheté, là j'ai des pâtes dedans, mais j'ai acheté des... Comment on appelle ça? Des tupperwares, mais avec... en verre quoi, avec un couvercle. J'en ai pris deux, un pour Chouchou, un pour moi, assez grand quand même,
de façon à ce qu'on puisse mettre un bon repas dedans quand même. Et j'en ai pris deux, enfin un pour Chouchou, un pour moi. Comme ça, on en avait un pour chacun pour aller travailler. On avait juste à le laver le soir et puis le remettre dans notre panière pour le lendemain, quoi. Et Chouchou m'a dit, oh, j'aime pas. Il est parti avec ce matin, mais on verra ce qu'il en pense. Lui, il était plutôt plastique. Moi, j'aime pas trop plastique. Quand on met des trucs en sauce, par exemple, je pense à la sauce tomate, ça a vite tendance à décolorer. Et je déteste, moi, quand les fonds de tupperware comme ça sont tout rouge, jaune, enfin peu importe ce qu'on met dedans, en fait, ça se décolore vachement vite et j'aime pas du tout. Donc, pour le coup, moi, j'opte pour le verre. C'est bien, c'est réutilisable à vie. C'est peut-être un peu lourd, mais au moins, ça maintient bien le chaud aussi. Donc voilà, c'est déjà pas mal parce que Chouchou, il aurait fait une crise. J'ai voulu acheter un hachoir aussi. Ma mère m'a dit, attends, j'en ai un à la maison, donc je ne l'ai pas acheté. C'est un hachoir manuel. Vous savez qui se... comme ça, enfin bref, je suis pas trop bonne dans mes explications, mais je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Je fais n'importe quoi en vous parlant. Hop, ça va là, ça. Et ouais, ma mère m'a dit, j'en ai un. Tu veux pas que je te montre celui que j'ai d'abord? Et puis donc j'ai dit oui, ok, d'accord. Du coup, j'ai laissé en bout de caisse. Sauf que bah, elle me l'a pas montré. Elle est partie bosser, elle me l'a pas montré. Et du coup, bah, je l'ai pas pris. C'est pas grave. De toute façon, après, quand j'y suis repassée, parce que je suis repassée la voir après quand on est parti. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'après-midi, elle est restée. Enfin, le midi, elle est restée avec nous. Hop. J'ai pas mis mon plaque à charger. Le midi, elle est restée avec nous, elle a mangé avec nous et après elle est repartie bosser puisqu'elle faisait une journée continue. C'est pour ça qu'on est allé le midi. Et nous, on est resté à la piscine en fait avec Nolan. Mon beau-père était là. Mais voilà, on est resté le temps d'une baignade et puis après on est parti. Et du coup, quand on est parti, avant de repartir, je suis repartie au magasin pour la voir. La taille, c'est pas possible. Pour la voir et lui dire qu'on s'en allait et qu'on l'attendait pas. Et puis voilà, du coup j'avais pas repris ma carte, elle était dans la voiture, j'étais mal garée, il faisait chaud, j'avais le chien dans la voiture, j'avais pas envie de le laisser trop longtemps dans la voiture au chaud. J'ai trouvé aucune place à l'ombre en plus, donc je me suis garée vraiment devant sur une place qui n'était pas une place, à l'ombre, mais au moins j'étais à l'ombre pour le chien. On lui a fait un bisou et on est parti et voilà, donc du coup bah, le hachoir il attendra un autre jour. Ça voulait dire que c'était pas pressé, de toute façon je sais que c'était pas très très pressé, c'était juste histoire d'avoir un accessoire de plus cool quoi. Donc walou, je vais essayer de me mettre je sais pas, peut-être devant l'ordi, même si j'en sors de 3 heures quand même. J'ai l'impression que c'était vachement fluide aujourd'hui, j'ai réussi à répondre aux questions des patients et tout. Enfin bon, c'était pas non plus des grosses questions, mais au niveau de la prise de rendez-vous, je pense que j'ai pas été efficace non plus hein, puisque je prends qu'un appel par un appel alors que les filles elles en prennent 3 à 5. Mais j'ai trouvé que c'était plus fluide, voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'était bien ce matin. J'ai pris, je sais pas, presque une trentaine d'appels sur une heure. Et ben, je me suis dit, waouh, quand même. Et puis je me suis dit, si je fais ça, 30 appels sur une heure, sachant que j'ai 6 heures dans la journée, ça fait pas mal. Donc voilà, j'étais contente de moi. Voilà, mais après on verra comment ça se passe, parce que le vendredi c'est toujours plus calme. En fait, les appels se font très importants le lundi, puis après ben, ça va en dégénérant, enfin la courbe baisse quoi. Donc c'est toujours plus souple en fin de semaine, hein, puisque bah, plus personne n'est malade. Ils attendent tous le lundi pour être de nouveau malade. Hein. Les fins de soirée, au début on est cool, et après en fin de soirée ça pique plus la tête. Peut-être que ça se trouve, cet après-midi ça va être encore plus calme que ce matin, même si ce matin j'ai trouvé que ça sonnait pas mal quand même. C'était un lendemain de jour férié aussi peut-être. Donc voilà, je vais peut-être me mettre d'abord sur la télé, puis après sur l'ordi je vais voir. Sachant que j'ai aussi du linge à faire et que je préfère le faire devant la télé qu'avec l'ordi. Voilà, donc on verra. Voilà, petit repas fait maison, hein, n'est-ce pas? Et avec amour. Devant Jamie, il y a des tentacules, je crois. Jamie, pardon. Ça te plaît? Ouais, très bien. Par contre, t'as des lunettes pour regarder la télé, non? Oui. Je vais te les chercher. Je vous retrouve, ça y est, il est 5h30. Enfin, il est même 5h30 passé. C'est bon, il est en sonnerie. J'étais au téléphone avec ma maman il y a 2 petites secondes. On a raccroché parce qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose. Elle doit me rappeler. Donc ça ne devrait pas tarder à sonner. Je suis en train de sortir. Enfin, de m'apprêter à sortir mon linge de la panière. Ah, ça y est, elle me rappelle. Bon, bah, du coup, j'ai eu le temps de faire tout mon linge quasiment.
Donc j'ai eu ma maman, c'est bon, elle risque de me rappeler en visio. Mais ça c'est pas encore dit. Attendez, est-ce que je suis pas trop dans le cadre? J'ai pas trop bien géré au niveau du cadre, du cadrage. Je peux pas vous mettre ailleurs que... Ah si! On va dire merci à la panière de linge. Hop! Voilà, vous serez un peu plus haut déjà. Vous me verrez peut-être pas entièrement, mais vous me verrez un peu mieux. Donc ouais, planning, semaine terminée, week-end. Chouchou, je sais pas à quelle heure il va rentrer, mais à mon avis, il va pas rentrer très tôt non plus. Quoique, c'est la fin de semaine, avec un peu de chance, ils vont peut-être rentrer plus tôt que prévu. J'ai eu ma maman, elle doit du coup me rappeler pour un visio peut-être tout à l'heure avec mon frangin. J'ai mis une autre machine à sécher, enfin essorée, parce que j'ai l'impression que ma machine, soit elle a pas essoré du tout, elle, je sais pas, elle a dû bugger, soit elle a pas assez essoré, du coup mon linge il était encore tout mouillé. Donc je vérifie, là je l'ai remis à laver sur un petit cycle d'un quart d'heure. Je vais voir comment ça essore. Et après je mettrai en cycle essorage pour voir si vraiment il y a quelque chose qui cloche. J'ai pas encore réfléchi à ce qu'on allait manger ce soir. Ça ne saurait tarder, à part ma quiche. Ça m'embête parce qu'après j'aurais pas de quoi faire de salade pour chouchou. Puis comme il peut pas manger chaud, ce serait dommage qu'il y ait rien à mettre dans sa salade quoi. Sachant que les tomates on en a plus beaucoup. Enfin bref, faut que je regarde, plus ou moins. Tac. Là je finis ma machine. Après je vais la mettre dehors. J'ai reçu un message de la ville au fait par rapport au masque, à la distribution de masques. Et bah, je suis contente parce que du coup j'avais réservé, enfin en fait il fallait réserver entre guillemets des masques. La première fournée entre guillemets avait été distribuée déjà. Et bah, là ils attendaient une deuxième livraison de masques et ils ont reçu la livraison. Et du coup maintenant il faut les distribuer. Donc il fallait s'inscrire en fait sur le site de la ville. Et fallait s'inscrire. Et je me suis inscrite, je sais plus quand est-ce que c'était, en début de semaine. Non, en fin de semaine dernière. Ben, ce week-end en fait, je crois, parce que j'étais chez des parents de chouchou. Et on vient de recevoir un mail pour nous dire que c'est bon, les masques étaient disponibles et qu'il fallait reprendre rendez-vous pour réserver les masques, pour aller les chercher, pardon, je vais y arriver. Donc je vais rappeler je pense lundi, parce que là c'est fermé, j'ai essayé d'appeler, ça marche pas. Comme ça dès que je peux prendre un rendez-vous, ben, je prendrai un rendez-vous et au moins on aura un masque pour sortir quoi. Ça sera ça de fait, voilà. Au moins on sera un minimum protégé. J'en ai des masques, je tape, mais bon. C'est vraiment en cas de, je vais dire, extrême urgence, quoi. Si on doit aller dans les hôpitaux ou dans, par exemple, faire les courses ou quoi, je préfère avoir un masque comme ça, quoi. Je les ai eus par ma maman. Donc voilà. Allez, j'ai plus qu'à ranger ça. Ça. J'ai pas mal de petites choses à faire. Rien d'extraordinaire, mais pas mal de petites choses à faire quand même. Je suis en train de ranger les affaires de Nolan déjà. Nolan a été super mignon aujourd'hui. Très sage, où il a regardé la télé hein, très souvent. Il a quand même fait des allers-retours pour venir me voir. Il a fait un coloriage sur les déterminants, les adjectifs et les verbes. Il a répondu à un questionnaire sur une compréhension de lecture, sur deux compréhensions de lecture. Et voilà, on a fait pas mal d'écriture quand même. Donc même s'il a regardé la télé, il a fait quelques allers-retours et puis il était à l'écoute. Et ça, c'est plutôt agréable. J'ai pas eu besoin de crier pour le rappeler parce qu'il était trop concentré sur la télé ou quoi. Donc je suis plutôt contente de lui. Je vais pas tarder d'ailleurs à lui demander d'aller à la douche. Nolan, tu veux te prendre un petit bain pour calmer tes coups de soleil? Non. Non, tu veux prendre juste une petite douche? Oui. Ouais. Chouchou m'a dit qu'il voulait aller à la pêche, ça dimanche, donc on verra. Et bah, du coup demain il veut aller à Décathlon et tout ça pour aller s'acheter des hameçons. Non pas des hameçons, des leurres. Et je sais plus quoi, enfin bref. Des trucs pour la pêche quoi, comme d'hab. Donc on verra ça plus tard. Mais voilà. Bon, finalement ce soir, fin de cuche, un peu plus garni que la dernière fois. Et Chouchou n'est pas arrivé, mais du coup Nolan a commencé à manger semoule et saucisse pour lui. Voilà. Avec un peu de ketchup, un peu beaucoup de ketchup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de semoule, hein. Mmh. Ouais. Est-ce que tu veux que je te mette la lumière comme ça? C'est mieux? Mmh. Non? Je préfère manger avec la lumière tamisée. Ok. Moi j'ai... je suis en train de me... Enfin, je regarde un dîner presque parfait. D'ailleurs, le son est un peu fort. Hop, voilà. Et j'ai une panière de draps de toute la famille à laver. À laver, à plier et ranger. On en a mis d'autres entre temps, donc bah, du coup, faut que je les plie et que je les range, celle-ci. D'habitude, j'ai pas besoin de les plier ni de les ranger parce que je les remets dans la foulée.
Donc elles sont à peine séchées que hop, je les remets direct. Ça me permet de pas les plier, de pas les ranger. En plus elles sont au fond d'un placard, bon, bref. Ah, la corvée de linge déjà c'est quelque chose, mais alors la corvée de drap de lit c'est un truc que je déteste faire. Et en général, je vous l'ai déjà dit je crois, mais c'est Chouchou qui met les draps de lit. Surtout pour ceux de notre chambre encore, la chambre des enfants, enfin maintenant celle de Léa ça sera son père aussi. Hein. Et comme c'était des grands lits, bah, les couettes elles sont super lourdes et moi j'ai pas de force dans les bras du coup. Bah, c'est Chouchou qui s'en occupe de remettre la housse de couette et tout ça. Voilà, on attend Chouchou, il est 8h20. Il rentre vachement tard depuis le début de la semaine, là il rentre super tard. Je sais pas trop à quelle heure il va rentrer, j'ai quand même mis la flamme cul au four et puis on va voir. Je pense qu'à mon avis il va rentrer, il va mettre les pieds sous la table sans passer par la case douche. D'habitude on l'attend mais là je commence à avoir un peu les crocs, j'ai envie de me poser aussi dans le canapé. Et comme demain ça ne travaille pas, j'aimerais bien être tranquille. Oui mais j'aimerais bien être tranquille en fait, pas avoir quelque chose qui m'attend, tu vois. Me poser dans le canapé et me dire ah c'est bon je suis tranquille. Alors que là je sais que si je me pose dans le canapé, après on va devoir dire, il va falloir quand Chouchou va arriver, il va falloir que je fasse quoi? Que je me lève, qu'on aille manger, qu'on débarrasse et tout, donc maman elle va finir sa journée. Hein. Moi je suis un tout petit peu autonome. Oui toi t'es un tout petit peu autonome mais t'es pas encore tout à fait autonome. Oui et Chouchou qu'est-ce qu'il fait? Il est pas du tout autonome. Bon, Chouchou il est autonome, il travaille tout seul, il se lave tout seul. Après c'est sûr oui. Maman elle fait les tâches de la maison mais c'est normal. Si Chouchou il travaille. À chaque fois il oublie son truc. Qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie son truc. Il se lève pas pour aller chercher son dessert. Oui, mais ça c'est parce que c'est un petit feignassou. Ça, il fait exprès parce qu'il sait que t'es gentil. Mais parce qu'il sait que t'es mignon et que tu vas lui apporter, c'est pour ça. Oh, cette fois-ci c'est fini. Tu te laisseras plus faire? Regardez lui là-bas, là, le petit aspirateur à miettes qui attend que Nolan ne fasse tomber quelque chose pour avoir une petite part du gâteau. Hein? Eh il a partagé son repas, je rêve. Quoi? T'en donnes un peu? Tu lui as donné quoi? De la semoule? Oui. T'es fou. En tout cas, ça, il se régale. Hein. Mais arrête Nolan, arrête, hein, fais pas ça, mange. Non, laisse-le chéri, il a ses croquettes. Je rêve. Enfin voilà, je vais plier mon linge et je vais attendre que Chouchou arrive pour manger avec lui. J'espère que la flamme cul ça sera pas trop cramée. Et après je ferai du montage je pense ce soir. Je vais même pas regarder ce qu'il y avait à la télé ce soir. J'ai mon téléphone en charge dans la voiture dans la chambre. Donc j'ai un peu la flemme, j'ai encore détaché mes cheveux. Regardez-moi ce petit crabe, hop, qui s'est mis dans le lit pour que je lui fasse un petit massage. Mais dis donc, c'est que t'as plein de traces là. Ah non, c'est que ça fait ressortir. Oh dis donc, à la caméra, ça fait ressortir toutes tes. Oui, mon cœur. Toutes tes traces de varicelle de quand t'étais petit. Je te mets la crème. Regarde. Oui, je vais te mettre la crème partout. Thank you.
la petite bouclette quand même, elle a là. Oui. Je vous retrouve le lendemain, on est dans la voiture. Chouchou est parti chez le médecin pour un renouvellement de cachet. Nous on attend dans la voiture parce qu'après on doit aller à Décathlon. On a nos petits masques ici. Je l'ai enlevé parce qu'il fait trop chaud dans la voiture et j'ai déjà mon écharpe que j'ai enlevé. J'ai m'engueulé avec une dame qui s'est garée juste à côté là, de sa voiture. Elle s'est garée super près, enfin son mec s'est garé super près et elle, elle était sur côté passager. Et elle a mis un coup dans la porte de, dans la portière de Chouchou. Donc je suis allée voir quoi. Et je lui dis bonjour, je vérifie ce que vous avez mis un coup dans la porte, donc avant que vous partiez, moi je veux constater le truc quoi. Sachant que c'est pas ma voiture et que même dans tous les cas ça aurait été ma voiture, c'était pareil quoi. Elle fout un énorme pet comme ça dans ma voiture, tu fous une trace, tu vas, je peux te dire que tu vas la réparer. Hein. Même si c'est juste une petite rayure, t'en es responsable de ta voiture. Si tu sais pas te garer, tu te gares ailleurs. Si tu te gares où il n'y a pas de voiture. Moi je lui dis un très gros mot que je connais. Non, tu dis pas les gros mots, non, je lui ai pas dit de gros mots, tu vois la dame. Bref, et du coup... Il a fait le donneur. Oui, mais elle était partie aussi, chérie. Bref. Comment se faire... On se fait avoir par les gosses, hein. Non, elle a pas vu, vous inquiétez pas. Je lui ai pas dit à elle, quoi. Je l'ai pensé très fort, surtout. Bref, du coup, Chouchou est parti donc chez le médecin, chez mon médecin traitant. Je pense que d'ailleurs, il faudra qu'il le déclare en tant que médecin traitant, lui, parce qu'il a pas de médecin particulier. Et ce serait bien qu'il s'en fasse déclarer un, parce que bon, d'un moment, Chouchou, ben, au moins, il paiera moins cher au niveau des prestations, enfin, des prestations des soins, quoi, très, très clairement. Donc voilà, bref. On est samedi matin du coup, ce matin on va aller, donc on est chez le médecin et après on va aller à Décathlon. Après je crois que c'est tout, on n'a pas grand chose à faire, peut-être un autre magasin, peut-être que Chouchou a prévu qu'il m'a pas dit. Et après on rentre à la maison, on fera rien d'autre de particulier, de toute façon il fait un temps pourri dégueu. Si je vous montre comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà, dégueu, donc voilà, pas terrible. Bon, je sais pas ce qu'il fait, il est 10h30, il avait rendez-vous il y a 3 quarts d'heure. Je comprends pas qu'il soit aussi, que ce soit aussi long le médecin. Alors à moins qu'il le prenne, enfin qu'il soit encore en consultation avec le médecin, je pense qu'il avait du retard. Moi ça me sidère parce que, enfin après si on n'est pas dans la même région, vous me direz, ça se trouve c'est peut-être moins strict ici. Mais pour moi en tout cas quand j'y vais j'ai jamais de retard, enfin jamais autant de retard, ça c'est clair. Nous on n'arrête pas de dire aux gens, enfin je sais qu'au boulot on n'arrête pas de dire aux gens qu'il faut vraiment venir à l'heure, pas en retard et pas, surtout pas en avance, c'est qu'il faut vraiment venir pile poil quoi, qu'ils accepteront pas de retard. Là quand je vois qu'il a 3/4 d'heure de retard le médecin, enfin en tout cas ça fait 3/4 d'heure qu'on attend, je me dis quand même il y a quelque chose là. Je vois la lumière mais je sais pas comment ça se fait qu'il met autant de temps, alors à mon avis il a dû avoir du retard hein, parce que bon je pense pas que sa consultation dure 3/4 d'heure. Comment ça il y a un minuteur là? Mais bon on sait jamais, mais non mais je sais, ah pour toi tu parles? Oui. Non, là, heureusement qu'il a pris sa PSP du coup parce qu'il s'occupe. Mais moi du coup j'utilise ma batterie de téléphone qui dure déjà pas très longtemps. Alors je m'inquiète quoi. Toi t'as toujours une batterie de secours mais pas moi. C'est Gibou. Ok mental. On était en train de dire qu'on était en surpoids tous les deux. Oui bonjour. Bon vous l'aurez deviné ou pas. On est chez Burger King mais en même temps on passait devant donc c'était l'occasion pour nous d'y aller. Par contre on était raisonnable, on a pris de l'eau. On n'a pas pris de dessert, on a pris des nuggets. Il y a 3 ans j'avais pris un brochet. Il y a 3 ans t'avais pris un brochet mon chéri, ah, regarde ses photos souvenirs sur Facebook. Et là on attend du coup sur le drive. On fait vite notre petite commande et puis on rentre à la maison. On doit aller voir mon petit frère vite fait, je dois lui déposer 2-3 petites choses. Et après on rentre. Chouchou a rendez-vous chez le coiffeur. Oui mon chéri, oui, ah oui c'est vrai. Chouchou a promis à Nolan d'aller lui acheter un jouet parce qu'il avait fait une bonne dictée. Donc on va aller chercher un petit jouet. Ça Nolan il a pas oublié hein. Hein t'as pas oublié. Les jouets c'est mon affaire. Donc voilà, donc on va chercher le jouet de Nolan, déposer les affaires pour mon frangin. Et voilà, après on rentre, Chouchou a rendez-vous à 2h chez le coiffeur. Moi je pense que j'irai le mois prochain je pense. Ouais. Mais j'hésite encore parce que... Ah ça y est ça avance chérie. J'hésite encore parce que comme il commence à faire chaud et que je commence à les attacher, des fois c'est un peu trop court derrière vous voyez. Et du coup j'hésite. Bon les cops, on est le lendemain. Il est 11h28 et j'ai pas clôturé le vlog hier. Donc clairement je vais clôturer assez rapidement. Oups le décolleté Mimi. Ouais je vais clôturer assez rapidement parce que je viens de faire le montage. Il est déjà 29 minutes donc ça sert à rien que je continue aujourd'hui sinon ça va faire trop long. Du coup je vais reprendre un vlog vite fait sur la journée d'aujourd'hui. Et voilà je clôture ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu mettez le petit pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ciao.